mission Lokobay qui pas fin correct sous monsieur et monsieur prend chemin la justice et me penser que justement l'important pour nous al connait qui ça ba lanyé directement sans nous pas besoin entrer dans tout détail yo. Toutefois si Loko vle lui-même li capable toujours gain droit de réponse s'il la joue ton bagay, mais comme li gain espace li tout li ka toujours parler s'il vle, mais t'assembler dossier après en l'autre dimension contrairement à ça n'était qu'à penser n'était dit professeur m'a distin à 7h45 sans le même avant m'aller parce que elle dit sera passé sous fort yo passé déjà et pas rien cap changer parce que son pays comme ça nous prend pays à faire tout non un véritable jungle. Donc dis nous ça cap passer pas dis nous c'est même bagaille là on comprend c'est passer prendre m'a passé chez chaud parce que nous prend pays à nous corporatiser c'est nèga exam qu'a fait la loi là sans bas la ville nouyé même pour aller directement sous fort national pour me dire non ça qu'a passé gagner monde qui victime gagner monde qui tombé en bas balle et en pile dégâts en pile caille boulé non bah était chargé net qui a passé là sous fort national goumen qui gagné entre nèg belè et nèg yo qui besoin à toute force et ben font paraître sous base Boyd. Son situation compliquée. Alors, avant d'aller fort national, j'aime te annoncer lui, nous pral fonti parler à maître Samuel Madistin parce que nous te bal rendez-vous à 7h45. Faut que nous apprenne respecter l'heure, on pense ça très utile. Mais j'aime te annoncer c'est que c'est un dossier qui mettait en face deux journalistes. C'est Louko Désir de Matin Débat et Yves Marie Chanel qui lui-même sa, la vive en République dominicaine, son journaliste vraiment qui passait de présentation, peut-être sous même c'est Timon 2000, il doit pas contre Yves-Marie Chanel, mais c'est pas un inconnu dans le métier. Hein? Et l'information, c'est quoi? C'est que selon Salouko dit, eh bien, il a tagué information d'après enquête que le menait. Yves-Marie Chanel, t'as eu un monde qui t'a comploté contre lui pour y mettre non sous sanction en République dominicaine. Et Maître Samuel Madistin, c'est un avocat qui a défendu Yves-Marie Chanel. Maître Madistin, bonsoir et bienvenue. Comment vous êtes? Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs à toutes les radios. Moi bien, yes. Malgré tout, malgré que j'en paye d'ailleurs. Malgré Jean, ça y est, obligé bien, il y a un petit crasse mélangé. Est-ce qu'on est bien là dans le pays? Le pays est difficile ou pas? Il y a difficile en pile. Oui. Et nous pouvons raconter l'histoire de ceci. Ouais, c'est vrai. En tout cas, en prochaine fois, m'a invité au bon fronti parler sous pays directement, mais entre-temps, il y a un dossier là que wap défend, son dossier qui mettait en face deux journalistes, deux confrères, c'est Yves Marie Chanel et puis Louko Désir, ou même qui c'est avocat Yves Marie Chanel, c'est qui ça grand public là capable comprendre le dossier ça, qui ça va là directement. Et bien, qui ça va là Yves Marie Chanel et un journaliste de renom, une personnalité remarquable qui marquait l'histoire pays. Il a vécu en Angleterre parce que il a fait devant moi pour moi. Même j'ai avec Edwin Parison, un diplomate prestigieux, donc deux personnalités respectables. Il y a un mouvement de solidarité pour le canal Massacre là, il a fait un film interview, il a introduit en Haïti, en République Dominicaine, pour encourager le mouvement et ça. Et puis, il est très étonné, surpris, le 8 mai qui se passait là, Louko Désir a fait une émission, et puis, il s'est dit que, il a analysé, il a critiqué, un article que le journal Aïbo Post écrit sur question reddition de compte dans la question canal là, il analyse le comportement du comité gestion canal là, du fait que vous recevez l'argent dans le public là, donc vous avez obligation de transparence dans le gérer l'argent. Et M. Bécontan, il n'est pas d'accord pour Aïbo Post, c'est fait à titre ça. Il critiquait à titre là, et pendant la critique à titre là, il se dit, mais qui en tête Aïbo Post ça doit mener. Je dis que est-ce qu'Aïbo Post connaît pour qu'il ça non lui-même nous peut désir son liste président dominicain interdit d'entrer en République dominicaine
parce que le prend position en faveur canal là. Et les amis se dit c'est deux soufflants chou André Michel et Yves Marie Chanel et Edwin Parizon qui relaient président dominicain qui fait mettre non sous liste. Monsieur traité négio de voleur, il traité monsieur Taradi ou j'ai dit en créole là, monsieur dit négio c'est des traîtres à la patrie. Monsieur Salambe négio Taradi. Mais à partir de ce moment, monsieur vient constituer cette ligne, non pas comme un journaliste, mais comme un délinquant. Un délinquant dans le sens juridique du terme. Hein? C'est-à-dire qu'un délinquant en droit, c'est un monde qui a un comportement que la loi pénale sanctionne. Depuis comportement du contraire à la loi pénale, c'est un délinquant. Et l'État, ou son délinquant, c'est pour la justice. Selon son fait, eh bien, les disciplinés. Dans le cas de monsieur, monsieur mérite correctionnaliser. Parce que liberté d'expression, c'est extrêmement important dans la société. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui a des limites. Et on a limite liberté d'expression, c'est le respect de la réputation d'autrui. Ou pas qu'à détruire réputation monde parce qu'on est journaliste, parce qu'on est micro. Donc, c'est ça que fait, nous, à correctionnaliser le chronique. Non, nous, mais M. Madistin, je t'attends un extrait que Yves-Marie Chanel t'a partagé avec moi. Louko Désir, monsieur dit que li mené enquête li gen élément qui prouvait selon contact, selon source que le fait confiance, qui dit que Yves Marie Chanel, monsieur pas innocent nan sa ka passé yo par rapport à non qui sont liste de sanctionner. Donc monsieur pointé Yves Marie du droit, elle dit c'est enquête que le mené. Donc s'il mené enquête li gen évidence, est-ce que li pa, comment nous ka expliqué que li fait noir but, li fait méchanceté? Indépendant. L'enquête journalistique, la protection des sources journalistiques, ils n'ont pas couvert les informations mensongères. Ils n'ont pas couvert les informations injurieuses. Si, comme journaliste, moi bon ou information ou baili. Si information vraie, les vérifier, ou pas qu'à, y'ont pas qu'à obliger ou révéler source. Mais depuis information pas vraie, depuis inexact, ou tenu pour révéler, pour dénoncer source là, sinon, ou a payé conséquences pénales à composer. L'information que M. Dilmené, enquête, lui, comme ancien candidat à la présidence, qui dit que c'est, d'abord, M. dit, un, que M. Yossé souffle tout André Michel. C'est André Michel qui relève, qui dit, mettez-nous Louko Désir dans le lit, dit président dominicain, mettez-nous Louko Désir dans le lit. Comme M. Yossé dit, établi, qui rapport André Michel gagné avec M. Paul dit qui montre qu'il la conversation ça a été faite, c'est André Michel de votre télé du Métenol. Et qui l'est, monsieur, c'est rencontré le président dominicain et vous avez fait Métenol sur lui. Paul établit ça. C'est l'on prouvé. Il y a ce qu'on appelle l'exception de vérité en matière de diffamation. Si vous considérez l'opposition de diffamation, vous dites qu'il n'y a pas vrai, ou capable de venir ou même vous dire prouver pour le tribunal là que son dit à vrai. De vous prouver la diffamation. Donc, monsieur a vu le tribunal là. Depuis qu'il a établi que Yves-Marie Chanel, Edwin Parizon, c'est soufflant sous André Michel. S'il a établi que vous serez le président dominicain, vous serez baron liste monde qui ne vous pas entrer en République dominicaine et que non Louko Désir est là. Non. S'il a établi que deux nègres ça a été volé, pour le dictateur établi ça a été volé, laisse ça va être diffamation.
depuis pas qu'a établi de laisser ma fonctionner. Quête bah un petit grâce mélangé. Bon, me souhaiter que moi me devance que de ces deux confrères n'écoutez qu'à plus ou moins entendre yo, mais m'apprendre que selon ça il dit c'est que nous demandé Louko pour le rétracter, monsieur dit le Kembe salte Dio, donc ça a dit les gars. Il voit un papier, il dit le Kembe, il dit le Kembe, il a établi dans le tribunal là. Eh bien, merci, vous mettez ma distin, mais moi, je suis toujours à la recherche de l'entente, malgré parfois, nèg ça pas tellement amis ou pas v'le web, mais et si toutefois, il t'a décidé pour le dire, bon, conscient de faire erreur, et puis, il passe très sous ça, il présente excuses, et puis la vie continue, donc, nous pas besoin de bataille. Bon, moi-même, c'est avocat dossier, je ne pas mettre dossier, allez, ça m'a pris une fille, mais on va demander où ça ouvre. Ça ouvre. Eh bien, merci, oui, mettre ma distin, mais m'ba quitte ou aller net, parce que, de toute façon, c'est vrai, ou c'est avocat ou défendre dossier ça, mais on c'est haïtien, on c'est citoyen tout. Ancien candidat à la présidence, ancien sénateur, qui monde qui dans droits humains, et un avocat qui très connu dans paysan, mais dis-nous non, avant aller, comment est paysan là? Moi, Haïti fin de partir net. Eh bien, moi-même, je dis ça, malheureusement, il n'y a pas de temps de moins. Nous, là, grand pays, nous dit qu'on a mis 9 présidents là-dedans, et puis, nous, on crise, et puis voilà. Mais depuis qu'on a commencé à bloquer les propres têtes, il y a un décret qui constitue que l'Igbayo existant. Il y a un décret serment dans le projet décret de gain, décret à retirer. Premier acte opposé, il y a violé le décret. Il y a dit à prêter serment. Donc, prêter serment, il faut une loi qui dit mais qui serment pour prêter, mais qui formule devant une autorité pour prêter serment. Parce que son gros autorité qui recevoir prestation de serment, qui voudrait son procès verbal, mais il dit, même il prête serment devant Pécra. Ou par contre, si serment, il prête. Donc, depuis là, c'est le brigandage qui est instauré à la tête de l'État. Deuxièmement, il dit que, il forme une majorité dissoluble, il met son président après l'autre, il dit non.